Il est tard, mais je suis encore debout, à étudier le dossier d'une affaire. La première affaire que mon mentor, Mia, a défendue devant le tribunal. L'horrible vérité, écrite noir sur blanc, m'empêche de fermer l'œil. Dahlia Plantule. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de lire. Ce qui a relaté ici n'a rien à voir avec la Dahlia que je connaissais. Je me suis miraculeusement remis de ma chute dans la rivière Aigle. Je suis presque sauvé. J'ai attrapé un rhume qui m'a mis complètement à plat. Vertige, gorge en feu, oreille qui bourdonne et une migraine d'enfer. Mais je m'en remettrai. Il faut que je sois sur pied avant cet après-midi. Car même si le témoin est le plus caractériel que la Terre ait jamais porté, je sais que d'une façon ou d'une autre, il arrivera à m'aider. Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de notre feuilleton Trials and Tribulation, le début de la partie 3 de la dernière affaire du jeu. Donc j'ai complètement oublié parce que la dernière fois que j'ai enregistré c'était il y a plus d'un mois. Voilà, je sais juste que nous avons fait Benjamin Hunter Ace Attorney Trials and Tribulation. C'était le nom officiel pendant... Allez, à peu près 2 heures de jeu. Et maintenant on va repasser à Phoenix Wright. Et donc du coup, on sait plein de choses, notamment que Paul aurait vu Dahlia en feu s'envoler par-dessus la rivière Aigle qui serait allée de l'autre côté. Plein de choses. Et donc maintenant, il y a énormément de révélations, de rebondissements. Et j'espère que cet épisode va nous en apporter un peu plus. Si ce n'est que peut-être, je pense, ça va être divisé en plusieurs parties, en deux parties aussi. Je pense que ça va être comme la première partie. Voilà. On y va. Ah, j'ai oublié, avant toute chose, prenez une boisson chaude, un café, un thé. Le café coupé avec du chocolat, c'est beaucoup mieux. Avec un peu de sucre. Je suis un super fort hunter. J'ai juste la gorge en feu et le nez qui coule, mais je suis comme ça. Vert émeraude. Et après, je vous parlerai de ma vie parce qu'elle est super intéressante et parce que il paraît que parler de sa vie sur YouTube, ça intéresse du monde. Alors, je vous raconterai ma vie parce que voilà. Oui, l'arme du crime, évidemment, l'arme du crime, est-ce que c'est le Sashisito? En fait, non, c'est pas le Sashisito, et c'était une mise en scène. Serait-ce donc la boule violette qui était sur le bâton de... machin, d'Oxime? Machine, je ne sais plus, Elise, d'Oxime. Voilà. Et même Hunter avait des doutes sur Dahlia Plantule, hein. Voilà. Non, ce n'est pas Iris. Désolé, détective. Et je me suis rendu compte que ce que j'avais pris pour un bureau ou un train tout au début de la première affaire, et bien en fait, ce n'était pas ça du tout. C'était complètement un hôpital. Voilà, un hôpital la nuit. Parce que... Non mais la police, le boulot, voilà. Ah oui, et Maya, et... oui, il y a juste Maya qui est de l'autre côté, qui patiente comme... Bah, depuis, on va dire, à peu près... Une journée, deux journées. Un jour, deux jours, voilà. Sinon, les histoires de ma vie... Alors attention, le reel commence. Ça va faire 3 fois que j'essaye d'enregistrer cette première partie. Parce que l'émulateur ralentissait au bout d'un certain temps. Et comment on sait que les affaires de Phoenix Wright durent environ 3/4 d'heure, voire 1 heure et demie, c'est pas super cool. Parce que moi, je suis obligé de faire des cuts au milieu, je suis obligé de redémarrer, et de reprendre au milieu comme si de rien n'était, sauf que c'est super chiant. Donc on va se balader. Et donc, ma vie. Ma vie est super intéressante. Pourquoi est-elle super intéressante? Tout simplement parce que... j'ai découvert un truc, j'ai découvert un personnage, un peu tard, hélas. Paul n'est pas là, d'ailleurs Paul n'est jamais là. J'ai découvert un personnage en fait parce que
Le thème là, c'est la peinture. Et j'ai découvert un peintre célèbre, une célébrité nationale, qui s'appelle Bob Ross. Et c'est génial. C'est franchement un artiste qui est là, c'est mort. Qui avait une émission de télé. Et ça, c'était cool. Et donc, du coup, j'ai regardé quelques vidéos. Parce qu'il y a une cha... Alors, il y a une chaîne YouTube et une chaîne Twitch. Une chaîne Twitch qui rediffuse les vidéos. Et ça, c'est beau. Et donc, du coup, j'ai regardé. Et c'est super beau ce qu'on peut faire avec presque rien. Par contre, j'ai des couleurs un petit peu trop précises pour moi. Ah, ça, c'est comment ça s'appelle-t-il? C'est Paul, évidemment. Et ça, c'est évidemment le fouet de Von Karma. Von Karma qui s'est battu contre Benjamin Hunter au procès. D'ailleurs, une particularité de Von Karma, fille, elle a ce problème de toujours dire le nom et le prénom de Phoenix Wright. C'est pas genre Phoenix ou Wright, c'est Phoenix Wright. Je tenais nanan, voilà. Et même dans l'animé, qui est très bon, que je vous conseille de regarder évidemment, j'attends évidemment la saison 3 avec impatience, l'adaptation de ce jeu, que j'aimerais finir avant de me faire spoiler les dernières affaires. Elle m'a dit Naruhodo Ryuji. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est quelque chose comme ça. Ma vie est géniale, vous en conviendrez. Ouh, ça parle mal. Elle portait les deux sous rouge. Précision maximum. Paul, les détails qui changent tout. Allez, au moins enchanté, la politesse, tout ça. Alors, dis-moi, Von Kerm, comment vas-tu? Pendant que j'ai bu mon superbe café chocolat. Eh ben, je dirais que oui. Si, il a perdu contre moi. Voilà. Ah, il est mort aussi. C'est con, hein, mourir en prison. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est toujours Phoenix Wright, c'est pas ta gueule, machin. Très bien. Le procès de ce matin, enfin il y a un mois. Alors, c'est ton petit frère par adoption. En vrai, t'es ça, voyons. Tu serais... Ouais. Non, tu serais même pas son petit... Tu serais juste son... Non, c'est pas ton petit frère, voilà. Je sais pas c'est quoi la relation exacte entre toi et Benjamin, mais vous êtes pas frère et sœur. Vous êtes frère et sœur par adoption, j'en conviens. Mais voilà. Oh, ça y est. Wow, on se calme. Bah ouais. X, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'était en Médoc qui était au tout début des affaires. Non, parce que tu sais la logique, tu vois, c'est pas trop mon truc. Tu connais pas ça. Thank you.
Bon. Karma, tu bouges pas. Je dois me déplacer au grand hall. Donc là, le but du jeu, c'est de trouver des énigmes, interroger tout le monde, montrer des choses, parce que... voilà. Donc, allez voir Bob Ross. Il y a des... Alors, les vidéos ne sont pas sous-titrées, ne sont pas traduites, mais elles sont sous-titrées. Et je vous les recommande juste pour de l'ASMR. C'est con à dire, mais c'est une voix tellement relaxante, ce Bob Ross. Non, t'es juste pas doué. Ça par contre on me l'avait pas dit. Ça par contre on me l'avait pas dit du tout hein. C'est la merde. Paul, ce cher ami Paul. Ils n'ont pas vu ce qu'ils disent avoir vu qu'ils avaient cru voir. Trop de révélations, t'as vu? On te met le doute. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà donc c'est ta faute. En partie. Oh bah oui, oh bah c'est pas assez drôle, c'est pas assez drôle, tu vois. Il faut qu'il y ait des courants d'air, bien quand ce soit en hiver, et surtout des petits tremblements de terre, tu vois. Alors là mon gars, le nec plus ultra des temples de merde. Voilà, et en plus c'est isolé, alors là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus. Ah, c'est possible, tiens, on n'y avait pas du tout pensé. Et donc, parle-moi d'Élise de Xim, hein, ce personnage. On sait juste que Élise de Xim, elle était venue, elle a écrit des bouquins pour les gamins, et elle est décédée. Si on pouvait éviter, s'il te plaît. Un peu de respect pour les jeunes qui regardent. Oui, c'est un, comment dire, réflexe. Non, moi tu m'appelles juste Phoenix, et puis c'est très cool. Je pense qu'il est plus grand. Oh mon dieu! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu! Trop de révélations! Plein de choses! Mais ça reste un duel ultra cool. D'ailleurs, ça doit être... Je rappelle que le fil rouge de cette histoire... Le fil rouge hein, le gros fil rouge de l'histoire, tu vois.
C'est les 5 jours psychés de Iris. Aka Élise Plantule. Élise. Daïla Plantule. Tu vois, c'est les 5 verrous psychés qui m'ont fait péter un câble à un moment. C'est le putain de fil rouge. Moi, je veux savoir la vérité. Là, tu vois, là, c'est le gros drama. C'est le drama. Gros drama. Je bois mon café. Oh mon Dieu, c'est pas bon. Donc là, c'est les gros dramas, les grosses histoires. Allons dans la cour. Une superbe cour avec une superbe nuit. Est-ce que c'est plus j'étais là? Et il y a un escabeau aussi. Des indices. Voyons voir. Il y a son. Alors, il y a son bâton. Le bâton. On l'a vu. Il y avait la boule. Grosse question aussi. Donc, hypothèse numéro 1. Peut-être que Élise a été assassinée au point du néant. Et là, il y a un escabeau, escabeau, un mystique et mystérieux. Deuxième hypothèse, elle a été tuée. Elle a été poussée pour être assommée de 3 mètres. Ensuite, on l'a emmenée là-bas pour la tuer plusieurs fois. C'est compliqué. Et enfin, il y a une luge. La luge! Voilà. Ou bien elle a été traînée avec une luge. Grosse révélation. Y a un truc que je voudrais voir en vrai, quand même. Ce serait le Sachicito. S'il était fait en vrai, la manière dont il est fabriqué, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, là, il y a du sang. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Ah. Non, j'allais crevoir. Donc du coup, bah, y a pas grand-chose à faire. Pouf! Allez, vas-y. Trigger. Ah mon Dieu! C'est Steve! Ah mon Dieu! Voilà, trop de révélation! Bon bah voilà c'est bon alors on y va. Non tu bouges pas. Non tu te fous de ma gueule. Personne n'a piqué évidemment. Inspectant les guichets. Oh là là. Voilà. Il est KO. Cool. Wow, trop de conviction! Quoi? Pardon? Excuse-moi. Tu
veux dire que j'ai capturé Von Karma avec une Pokéball de justice? C'est débile. Et donc du coup, vite! Allons au pont. Alors la grosse question qu'on se pose aussi, c'est la motoneige. La motoneige. Alors ça, c'est... ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, tout ceci est normal. Putain, je reviens, il y a juste mon chargeur qui est un peu loin. Tout va bien, tout est ok. Ne vous en faites pas. Je suis là. Ceci est une chaîne professionnelle. Ne vous inquiétez pas. Le professionnalisme, la passion, tout ça. Voilà, c'était l'appel chiant. La vie IRL, vous savez, j'adore ça. Donc, on récapitule quand même. Un magnifique message. Il n'y a plus de batterie. Je rappelle, toujours, je le dirai toujours. La qualité de cette chaîne dépasse l'entendement. Pousse en l'air si t'aimes ça. Donc, oui, Von Karma, la motoneige. Donc, va te faire foutre. Et ce bull, allez. Ah oui, faisons une partie de cartes. Ok, très bien. Donc, ouais. Elle en a rien à foutre. Donc, oui, le pont. Le pont. Le pont. Il y a un truc. Oh, joli. Ah, j'avoue, c'est... ça tient, ça, c'est beau. Ah oui. Donc on va se déplacer. On va aller... je voulais aller au hall divin pour voir s'il y avait Paul, mais non. J'essaie des trucs. Donc retournons au portail du temple. Oh mon dieu, c'est Pearl! Elle était là! Connasse! Pourquoi t'es parti? Et elle chiale. Peut-être. Oui, elle était toute seule, étrange. Ah mon dieu! Allez! Elle a de la compassion! Je vous aime pas. Oh ça casse, ça parle mal. Ça parle très très mal. Est-ce que tu as fait un travail sur elle-même? Sur toi-même? D'accord. Bon, pas grave. Donc, oui, Maya, où est-elle? S'il te plaît, elle est où? Elle est décédée. Génial! Ce qu'on pourrait penser. Elle est... pouf! Disposition! Il va falloir peut-être arrêter. Mais la ferme! Mais tais-toi, Von Karma! Il avait l'air très différent, cet endroit. Ses flairs n'ont pas bougé. Comment se fait-ce? Ses flairs sont exactement pareils. Et ceci a l'air très très différent. Des statues de pierre.
Il y a un magnifique. Alors ça, on s'en fout. Il y a un incinérateur. Et ça, c'est très très suspect. Tcha tcha tcha. Mais quelle preuve fascinante se cache là-dedans. Oh, c'est vide. Je dois me souvenir. Image psychique du livre de jour en noir et blanc. Parce que la couleur, c'est trop cher, t'as vu. Il était fermé. Ouais, j'ai cru ça allait ralentir un petit peu et que j'étais un petit peu dans la merde. Alors, je crois qu'une de ces portes a été bougée. Non, je veux pas aller dans la salle d'entraînement. Il y a une porte, mais il y a une autre porte. Mais comment elle me parle? Mais comment elle me parle? Mais regardez-moi cette petite prétentieuse l'écriteau. Parce que tu es... Voilà. Waouh. Et là, il y a du vert. Très bien. Allons à la chambre, à la salle d'entraînement, pas la chambre intérieure. Alors, super cadenas, les mecs. Hein. Petite référence, je crois, je l'ai déjà dit. Petite référence au verre au psyché. Du metal game incroyable. Ce qui veut dire que les verres au psyché de la vie réelle existent dans l'espèce de d'inconscience cachée des personnages. C'est bizarre à dire. Il y a un cadenas. Je suis dégoûté, il y a un cadenas. Non. Bah elle est pas là. Oui, c'est bien, mais elle est où alors? Tu vas me le dire. Oh mon dieu, est-ce que c'est encore plus de metagame qu'on le croit? Oh mon dieu. Voilà, exactement. Waouh. Tu vois, il y a du metagame, tu vois. On pose un truc. Il était pas comme ça, ce poster. Ouais, le poster, il est un petit peu dégradé, là. La sauce. On a saucé quelque chose. Ouais, tu vois, on est ultra contemporain. C'est un peu comme les hipsters, tu vois, en France. Eux, ils essaient de se démarquer avec leur bonnet, leur barbe et leurs lunettes. Nous, on se démarque, on peint avec de la, du jus de viande, tu vois, c'est... Ce concept, un jour tu verras, ça va se vendre les peintures comme ça. Mais non, espèce de conne. Parce que c'est débile, mais pourquoi? Mais pourquoi? Oui. Mais pourquoi le parchemin? Et ça, c'est très étrange. Là, il y a trop de suspense. Là, je suis overhypé, même s'il est extrêmement tard. C'est Godot. Où est mon café? Attention, la voix en dessous, elle est haute. Ah, je pourrais vous poser exactement la même question. J'étais malade, j'avais pas net. Mon problème aurait été bien plus crucial qu'une simple grippe. Il était d'une importance dont jamais vous ne comprendrez non plus.
Qui est cette harpie, là, Hit? C'est Von Pierre Mat. Oh, dans ce cas, à charge d'en revanche, hein. Clin d'œil que tu vois pas à travers mon masque. Vous pouvez y aller, princesse. Le reste, c'est une affaire de prix. Oh, c'est bon. Votre boulot est fini. Les femmes comme vous m'exaspèrent. Je ne vais pas le répéter. La mère fouettarde, rentrez chez vous. Comment il met le respect? Non. Vous méritez bien plus qu'un petit coup de cravache, Light. Vous ne saisissez pas encore? Vous ne réalisez pas que vous avez mis quelque chose d'inexorable en marche? Je sens qu'il se passe quelque chose derrière son masque. Est-ce de la colère ou de la tristitude? Oui, Light, je suis. Tristesse. Voyez-vous, je n'ai pas bu de café depuis au moins 5 minutes. La tasse est gelée. Le café s'est transformé en glaçon. Je n'ai pas pu boire parce que il y avait du sucre dans mon café. Et je voulais le sucre. LOL. Je voulais dégeler, mais je vais quand même vous le rappeler. Je reviens les profondeurs de l'enfer pour vous affronter. Non, c'est délicieux. Vous savez, j'ai connu ce que peu de gens ont connu. La mort. Vous êtes décédé. Évidemment, il n'est pas chose aisée de se faire extrader du royaume des morts. La régénération méticuleuse et le réglage de tous nos organes internes ont une. Bref, disons simplement que la médecine moderne prolonge la vie. Même pour quelqu'un comme moi. Alors, vous êtes. Cette chose, je vous jure que c'est pas pour suivre la mode. Non, mais je te crois, hein. Je te crois. Sans lui, je ne verrais pas votre visage si souvent interloqué. Je n'en savais rien. Vous avez dans un piteux état. Mais en portant cet énorme masque. Je n'arrive pas à tout voir. Des révélations choquantes. J'arrive néanmoins à présenter ma vieille carcasse en l'entretenant régulièrement. Ce personnage est tellement profond. Oh mon dieu, il y a de l'histoire. Je vous en prie, demandez-lui plutôt. Quoi? Moi j'ai rien fait déjà. Oui, Light, vous devriez le savoir. Vous savez comment on a mis fin à mes jours et qui s'en est chargé. Mais j'ai rien à dire, je sais pas qui c'est. Trop de plot twist. Quoique, sincèrement, ma mort me titille un peu. Moi, je sais pas. Vous comprenez tout. Vous comprendrez tout le moment venu. N'est-ce pas, Light? Oh, mais... Ce personnage, à lui seul aussi, est une vraie énigme. Que veux-tu dire? Le temple intérieur, là, de ce côté du pont, c'est une île isolée. Ouais. Et je me demande, Light, savez-vous ce que fait la police ici aujourd'hui? Tu te fous de ma gueule un petit peu, hein, Godot? Elle cherche les traces d'une disciple portée disparue. En tant que chef de l'équipe de sauvetage, je vous le confirme avec certitude, Maya Faye n'est pas de ce côté du pont du néant. Plot twist. Je ne vous le redirai pas. Vous n'avez aucune chance d'en trouver ici. Sauf peut-être dans un endroit uniquement. La grotte sacrée, là dans laquelle nous le tenons en ce moment même. Révélation. C'est le seul endroit où l'équipe des secours n'a pas encore fouillé. Sans la langue. Mais attention, la température de la grotte tombe souvent en dessous de zéro.
Ah mon dieu. Oh mon dieu. Oh wow 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 wow. Oh le cadenas, ah oui les chaînes, le cadenas, attention, il y a des mystères, il y a des mystères. Wow, 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 calme-toi. Eh, s'il te plaît, Mia, c'est pas ma faute, ok? Oh, calme-toi. Elle est pas morte à cause de moi. Je l'ai pas tué. Non, c'est pas vrai. C'était Blue. C'était Blue. Alors attendez, je remets le casque. Professionnalisme toujours. Le professionnalisme est présent, vous le savez. Voilà. Là, je suis bien. Waouh, waouh, waouh. Et calme-toi, mec. Calmons-nous. C'était il y a 2 ans. Mais il a fallu poursuivre quelqu'un. Un homme. Les autres sont pris de plus fort qu'elle. Ça fait un ennemi terrible. A Blue White. De Blue Corp. Exactement. Ah ah. Mais ça ne vaut pas la ramener. Oui, je techniquement, ça l'a ramené, mais par l'intermédiaire de sa sœur. Avec des méthodes psychiques. Hein, voilà. Vous étiez avec elle à ce moment-là, vous. Wow, 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 quoi. Oh mon dieu, des révélations. Oh, ça me parle mal. Ça parle tellement mal. Et donc ce fameux cadenas à combinaison. Très bonne idée. La clé. Attends, je veux savoir si ça se réalise vraiment ce genre de cadenas, ça a l'air vachement drôle. Quoi? Pardon? Excusez-moi. Mais trop, trop bien. Ouais, c'est une évidence. Pour le moment, ça se tient. J'adore me faire des ennemis sans comprendre pourquoi. Petite particularité chez moi. Bien, bien, bien. Très, très bien. Du coup, je pense que la solution qui s'apprête maintenant... Ah, pas fini. Détective, oui. Bon, arrête tout ce que tu viens de faire. Qu'est-ce qu'il dit à Détective? Parce que tu pars. Ah ça oui, vous m'aidez. Tu m'aides pas, Détective. Bon, bah je vais y aller, hein. Ouais. Ouais.
on y va, je sais que ça te tente, hein. Ah, ça te donne envie, ça, hein, François. C'est très, très bizarre, donc. Mais c'est très, très bizarre. Oh là là là, mais il y a plein de traces. Oh, mais il y a plein d'indices. Regardez. Bah ouais, mais on s'en fout. Ah, on est d'accord. Bon, détective, dégage. Hein, c'est quoi ça? Tu vas me dire que c'est de la peinture? Non, oui, c'est de la peinture, évidemment. Putain, mais c'est tellement la merde. Oh, c'est tellement la merde. Oh là 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 là. Bon, il y a des bras zéro. Mais alors, il y a ceci. Voilà, cette petite chose-là. Ce truc-là, un talisman. Voilà, c'est un talisman. C'est très, très moche. Vraiment. Je vais le prendre. Allez. Pef. Dans la poche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un balai, mais il y a surtout des bras zéro. Enfin, les torches. Récemment. Mais ça alors, ce n'est pas un petit peu bizarre? Ah, oh, c'est la bizarrerie, dites-moi. Oh, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la forêt, on a des trucs, on a ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est donc? Bon, bon, bon. Détective. Parlons. D'accord. Eh ben, dégagez. Ah, vraiment. Enfin, d'un point de vue normal. Ils ont trouvé rien du tout. Pourquoi j'ai le seum? Putain, j'ai le seum là, il y a des révélations choquantes. Et Nelson. Ah non, mais... Oh non, mais ça tout. Ça tease à mort! Oui, c'est Maya. Alors, c'est écrit dégueulassement. Moi, je vois que c'est surtout écrit dégueulassement. Putain, c'est écrit alors. Putain, c'est dégueulasse. Waouh. Et en fait, elle avait écrit à l'envers. Quoi? Thank you.
trop, trop bien. Donc maintenant, on a encore plus de twists. Ce n'est pas Iris qui aurait tué Doxy, mais Maya. Et là, c'est la véritable scène de crime. C'est trop compliqué, c'est trop complexe, là. Ça me fait mal à la tête, le mec. Ah, c'est possible. Ouais, ça se tient. Bon, bah voilà. Non, mais tu sais, j'adore les challenges, hein. J'adore me foutre dans la merde et m'en sortir à chaque fois. Alors par contre, je vais examiner le tas de terre, hein, parce que toi, tu me fais chier en disant « Oui, le tas de terre, oh, y a pas de neige, hein, voilà. » Oh, la neige, tu vois, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais qui l'a fait, donc? Oh, vas-y. Ah, dis-moi des trucs. Non, non mais mon foie, la ferme. Waouh. Grosse histoire. Grosse histoire. Bon, je crois que j'ai tout, donc on va se déplacer. Et on va voir ce qu'a vu Bikini, parce que c'est le gros plot twist de cette partie d'épisode. Paul, peut-être? Non? Oui? Non? Non? Ok, non mais très bien, hein, Paul. Paul, je sais que t'es là. Paul, j'ai envie de te dire, espèce de petite bite. Voilà. Oh bah, ça alors. Oh, je la visite. Oh, ça alors, Iris. Je pense que c'est l'heure du duel. Oh oui. Encore plus de duel. Oui, allez, va ouvrir. Ah, ça parlait. Ouais, des bisous. J'ai le truc à faire. Enfin, reviens. Oh mon dieu, encore plus de twists. Oh, ça me rabaisse à l'état de civil. Putain, ça me parle tellement mal. Putain, les mecs. Ça me rabaisse à rendre civil quand même. Là, je me sens humilié. Je me sens tellement rabaissé. Elle est où, la grosse? Ouais, parce que maintenant, j'ai plus aucun respect pour elle. LOL, c'était la lumière, LOL. Oui, c'est beau prince et chier. Ouais. Thank you.
cœur, dites donc. Mais fous-moi la paix. Oh oui alors. Oh là là. Oh là 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 là. Allez, on y va. On est chaud. On a tout ce qu'il faut. On est ok. On a une preuve mise à jour. On a deux preuves mises à jour. On a deux preuves en plus. Donc là, techniquement, on est chaud. On est bien. Allons, on se concentre. C'est part. Je crois que le pire, c'est que je sais pas comment la doubler. Sœur Bikini, je commence à entrevoir la vérité. Je crois qu'Elise Doxine a un rapport tout particulier avec ce temple. Et que ce rapport tout à fait particulier est lié à sa véritable identité. Mais de quoi par... Je ne sais pas comment... Je sais pas comment l'imiter. Mais de quoi parles-tu? On va faire comme ça. Mais de quoi parles-tu? Mystique était une autre... était un auteur. Un auteur de livres illustrés. Non, je peux pas. Franchement, j'ai commencé à entrevoir des soupçons juste après l'avoir rencontré. Des soupçons? Oui, mais je n'avais alors aucune preuve pour appuyer ma théorie. Maintenant, si cette petite correction prouve la véritable identité de Madame Doxine, même, c'était le talisman. Dans ta gueule! Madame Doxine portait toujours ce pendentif sur elle. Mais où es-tu? Et ce n'est pas un porte-bonheur de supermarché. Mais alors? C'est quoi, d'après toi? Je me demande bien ce qu'un tel talisman peut signifier. C'est un talisman? Intéressant. Oups. Ce bijou en disant sur la véritable identité de Madame Doxine. Ce talisman est un autre objet pour sans équivoque l'identité de Madame Doxine, à savoir ce bâton. C'était pas le bâton. C'était pas le bâton, lol. Ah non, la question. Ah. C'était la boule de cristal. C'était pas la... C'était quoi? Non, mais vous foutez de ma gueule. Mais c'était quoi, bordel? Putain, je suis vraiment obligé. Ah si, c'est la photo, par contre, je suis pas content. Bon, si ça se trouve, j'ai complètement zappé un indice, hein. Je le dis, j'ai sans doute zappé un indice, donc on va réfléchir. Alors, peut-être... Peut-être, hein, je dis bien peut-être, c'est totalement un pif. Un pif débile. Le pif token. Est-ce que ce serait pas, par un gros hasard, ceci? C'était complètement ça, c'était... Comment tu pouvais savoir? Explique-moi, je... Cette tache de sauce empêche de bien voir le parchemin suspendu. Mais ce parchemin représente la maîtresse de la technique du Shaolin Kura. L'emblème en haut est un hommage à son véritable titre. Le même emblème orné par le talisman porté par les victimes. Non. Cet emblème est réservé à la maîtresse Kura. Mais qui l'ont raconté de base, c'est Malvert? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est la nouvelle maîtresse, Maya Fey, qui me l'a dit. Que? Quoi? Tu veux dire que la disciple est en fait la fille de... Sa fille? Ouais. Tu en es sûr? Ouais. Depuis que sa fille aînée est décédée, Maya est la seule héritière de Misty Fey.
Mystique Mi. Mystique Misty. Là, je suis un peu déçu là. Ouais, j'ai récupéré la merde psychique. Je suis un peu déçu. Tu vois, c'est comme cette affaire dans le dernier. C'est comme cette dernière affaire dans le volet Justice for All avec Échouette. Tu vois, elle a plein de verres psychés. Tu lui montres une preuve. Pouf, ça s'en va. Allez, y a plus rien. Et ben là, c'est pareil. Tu montres deux preuves et pouf. Allez. Mystique, je vous fais l'honneur de sa présence depuis une semaine. Oh mon dieu, une semaine. Quand même en train de faire l'espoir. Est-ce que tu serais pas en train de me dire qu'il y a falsification d'identité? Oh mon dieu! Mais ça avait un souple twist! Sa mère, la mère de Maya et Misia n'était pas décédée! Elle était vivante! Oh mais il y a une continuité, bordel! Il y a une continuité, les mecs! C'est délicieux. Oh, je suis... Ah! C'est la merde! C'est la grosse merde! Sérieux? Non! Non, quand même pas! Ah! Je sais pas, ça me semble évident. Oh putain. Les rebondissements du plot twist, mais tout ce qu'on aime. Benjamin. Surtout Benjamin. On s'en fout de Maya. Ouais, parce que c'est un peu mon pote en fait. Vite! Ah mon dieu, il est là! Oh putain! Ici là. Elle est partie. Pardon, excuse-moi, c'était facile. Quoi? Pardon, excuse-moi. Je suis perplexe et dubitatif et très en colère. Oui. En même temps, Hunter qui a... L'incident... Quel accident déjà Ah oui, l'escalier. Enfin, l'ascenseur. Quelque chose. Oui, allons-y. Allez, go. Force blanche, force bleue et force rouge. Un début de trio des Power Rangers. Les Power Procureurs. Oh putain, ça sonne tellement bien. Ok, moi c'est bon, j'arrête, je me barre. C'est bon, non mais non. Il y a 5 verrous. Pourquoi?
Je suis pas content, le jeu. Le jeu. Un verrou. Ok. 5 verrous. Gros doigt, le jeu. Gros doigt. Tu me hype pendant une heure. Et au dernier moment, tu me dis... Nathanie, qui tu veux savoir la suite, hein? 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 Eh ben, on va te mettre plus d'histoire. Je... Nique sa maman, voilà. Encore plus de Kenna, encore plus de mystère. Oh, je vais te défoncer ta gueule. Vas-y, chouchou. Allez, chouchou, amène-toi. Amène-toi, amène-toi. Oh, vas-y, chouchou. Free fight, vas-y. Ok, là, vas-y. Et ils mettent la suivre. Est-ce que vous vous rendez compte la force incroyable que ce jeu possède? Parce que quand même, on te fait quoi? Parce que je vais récapituler là, parce que quand même, on a retrouvé Perle. Le pont était réparé. On apprend non seulement que Iris n'est pas la coupable du meurtre, que ce serait Maya, que Elise de Xim sur Mystify, qui a été tuée par sa fille. Et Elise s'est échappée. Elle a mis encore plus du cadenas. Surtout, et surtout, Mystify est réapparue après 17 ans. Bon. Alors. Allez. Moi, je vais continuer de mon côté. Et on jouait sur ce teaser. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode rempli de rebondissements, de twists jusqu'au bout. J'espère que ça vous hype pour la fin de Phoenix Wright et Saturn Age Trials and Tribulation. N'oubliez pas, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, le fameux commentaire... et le pouce, hein, parce que faut que je sois dans les référencements YouTube, j'ai envie d'être dans les tendances, j'ai envie d'être trop connu, t'as vu. Ce que vous pensez quand même de ce scénario qui se suit, un scénario qui se suit sur les trois jeux quand même. C'est pas rien. Si c'est la première vidéo que vous regardez, je vous invite à aller voir le contenu que je produis, et si ça vous plaît, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter. Alors, bah, salut ça. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine.